continue à vivre, pas vivre, mais presque dans les mines. On a vu phosphate. Là, je commence à les connaître, à les identifier. Là, on va viser, ça, je connais les feuilles de mica, même petit, Harold, il y en avait aussi. Là, par exemple, on va essayer d'imaginer la belle carte de tantôt. Là, on va enlever le jaune. On enlève tous les jaunes, tous les jaunes. On ne garde que les rouges. D'accord. En imagination. Celle-là, ça devient mica. Ce sont des mines de mica. OK. Et celle-là, pour les étudier, vous avez une carte qui détaille encore plus. Oui. Alors, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de mines à l'intérieur de Templeton. OK. Il y en a quelques-unes ici, puis il y en a quelques-unes là. Voyez-vous? D'accord. C'est que ici, les mines de phosphate ont été converties et sont devenues des mines de mica. D'accord. Et il y avait déjà des mines de mica seulement. Okay. Ça va. Puis ça, c'était pas juste pour l'engrais. Ça, c'était l'autre tantôt. Non, non. Celui-là, la mica servait à... Est-ce qu'il y avait un but? On va le parler. Encore? Bon, ben, mon Dieu. Après vous encore, je vous suis. Alors, on se promène, hein? On fait tellement là, à Portland, on s'en va à Saint-Pierre, on s'en va à Baltimore, on revient à Perkins. Oui. Alors, là, on ici, est rendu à la mine de mica. Oui. Bon. Alors, donc, nous passons rapidement sur ces deux-là ici, puisqu'on connaît maintenant. Oui. Et ici, nous voyons donc des mines de mica dans Templeton. D'accord. Là, nous revoyons les rues, les chemins de tantôt. Alors, nous restons ici. Nous avons vu ça. Okay. Alors, marquez bien, donc, comme on l'a signalé tantôt, il y a beaucoup de mines de mica dans Templeton. C'est que quand on avait des mines de mica, les mines de mica s'accompagnaient très souvent les mines de phosphate s'accompagnaient souvent de mica. Mais le mica, c'était un déchet. On le jetait à l'extérieur dans des amoncellements qu'on appelait, comme on l'a dit, des haldes. Okay. Alors, il y en avait. Quand le phosphate est tombé, on est allé chercher le mica. Marquez bien, on est allé chercher les déchets. Mais aussi, on est descendu dans les puits de mine pour... Il y avait encore du mica là. D'accord. On a fait les deux. Hein? Okay. Alors, parmi, donc, ici, vous voyez, il y a les mines ici, là, ça c'est Blackburn, ça c'est Wallingford. Wallingford est ici également. Nous allons parler, nous, de la mine Blackburn, mais la mine de mica Blackburn. OK. Bon. Ça, c'était-tu vrai là, qu'il y avait une chicane entre deux l'autre? Oh, il y avait une concurrence, hein, comme dans toute compagnie, il y avait une certaine concurrence, mais je n'ai pas lu nulle part qu'il y avait eu des choses inconvenables. Là. Ah, d'accord. Non. Est-ce qu'il y en avait aussi des petits, les points sont plus petits? Oui, il y a un certain nombre de mines, on n'a pas le temps de s'attarder, mais il y a beaucoup de petites mines là, qui ont quand même... Et à un moment donné, Blackburn achetait tout le mica des gens. Il y en a qui faisaient des fermiers, qui se faisaient un petit supplément avec ça. Ah. Ils creusaient, puis ils trouvaient du mica, puis ils apportaient ça à Blackburn. On l'achetait. Mm. Alors, disons un mot de... Donc là, maintenant, c'est les fils de Blackburn. Les mines de phosphate ont fermé en 96. Vous voyez, 96? OK. Pendant 3 ans, la mine a été inactive, et les fils de Blackburn, Russell puis Lennox, ont pris les mines et ils ont eu la sagesse, parce qu'ils étaient deux jeunes ensemble, ils ont eu la sagesse de se trouver des gérants. Un a nommé Baker, puis un a amené l'autre, je ne me souviens plus de son nom, Forbes. Ce sont eux qui ont fait de la mine de Blackburn, la mine de mica la plus importante de tout le Canada. D'accord. C'est quelque chose quand même, hein? Voyez-vous? Bon. Puis ça, dans cette mica-là de Blackburn, tu sais, quand on en parle, c'était une bonne qualité. Parce que là, on veut dire, si c'était bâti tout ça, il a dû avoir une certaine qualité. Ah oui, il y avait du bon mica. Maintenant, donc, il y avait quand même mica et mica, on pourrait dire. Mais c'est pas toujours facile de distinguer. On va montrer tantôt qu'il y a 3 sortes de mica pour essayer quant à les couleurs. Ah. Il y a le mica brun, il y a le mica blanc, puis il y a le mica... Il y a 3 couleurs, blanc, brun et noir. Puis c'est pas trop facile de distinguer le noir de l'ambré. D'accord. L'ambre, hein? Okay. Puis le blanc aussi. Alors, souvent, il faut examiner au microscope pour savoir. D'accord, c'est pas comparé aussi à l'odérable. Oui. Celui-là aussi, il avait une popularité parce qu'il servait à...
Le mica servait... Alors, le mica, vous vous souvenez sans doute quand vous étiez jeune, des fournaises à bois ou à charbon. La porte par laquelle on nourrissait le feu avait une petite fenêtre. Oui, oui, je suis. Et par la fenêtre, on voyait le feu à l'intérieur. Oui, c'était joli. Du mica. Parce que le mica ne brûle pas. Le mica résiste à toute chaleur. Hein? Ben. Alors, partout où il faut avoir une certaine transparence des choses et où il y a de la chaleur, on prend le mica. Deuxièmement, le mica, vous ne pouvez pas écraser du mica. Prenez une feuille de mica avec une masse, le mica ne bouge pas. Si bien que, par exemple, sur les bateaux de guerre, il fallait quand même à un certain moment d'avoir les fenêtres. Hein? Si c'était une fenêtre en vitre, chaque fois qu'on tirait du canon, tout partait en éclats. Alors on a mis du mica. Les lunettes, vous savez, les lunettes des gens qui travaillent là, dans les usines là, où on coule, par exemple, du métal en ébullition, là, une chaleur épouvantable, ce sont des lunettes en mica. Alors, dans les. Maintenant, l'usage principal du mica, c'est comme isolant. Isolant donc dans l'électricité. De nos jours, non. Non, dans le temps. Dans le temps, de 1900. Okay. Alors, par exemple, dans les grilles pain, il y avait des petits morceaux de mica là, pour isoler les choses. Alors, il n'y avait pas tous les usages qu'il y avait dans ça. Non, oui. Okay. Et puis, donc, des paravents, par exemple, paravents contre le feu, là, disons, tu sais. On fait ça avec de l'amiante ou de mica. Ensuite, on prenait le mica, on en faisait une poudre, on mettait ça dans la graisse de roue qu'on appelait, pour faire tourner les roues plus facilement. Alors, et on s'en sert aussi du mica dans les industries chimiques, les pharmaceutiques, des choses comme ça. Là. Bien entendu, aujourd'hui, on a trouvé beaucoup de remplaçants pour le mica. Mais est-ce que la population embarquait dans ça, ou est-ce que c'était juste les grosses mines, puis envoyait ça à Ottawa, ou à Montréal, ou est-ce que même dans la région, ils s'en servaient, les gens embarquaient? Bien, c'est qu'à ce moment-là, on avait l'électrification des villes. Oui. Il y avait un marché pour le faire même, pour le mica. Dans plus d'endroits, il fallait des isolants, le mica. Donc, c'est arrivé à point. C'est à peu près les usages qu'on avait pour le mica, ça. D'accord. Mais quand, c'est ça, on voyait aussi, par exemple, que les familles travaillaient, parce que si moi j'avais juste pris des coins, il y en a qui en ont tellement dans la région ici, canton de Templeton, mais il y a de savoir que les familles, non, le père travaillait, ou est-ce que les enfants, c'est ça que j'arrive à comprendre? Il y avait des enfants dans les mines, hein? Il y avait des enfants, je ne peux pas rentrer là-dedans, là, puis je n'ai pas les notes avec moi d'ailleurs, d'accord. Mais il y avait des enfants aussi qui travaillaient, mais, chose unique, probablement, peut-être dans le monde entier, c'est la part que les femmes ont prise dans l'industrie du alors, j'ai ça ici, là, un phénomène unique peut-être dans l'histoire des mines fut la part prise par les femmes dans le succès des mines de mica chez nous. À la différence du phosphate, qui pouvait être vendu brut ou en vrac, le mica, lui, devait être subir des transformations avant d'être livré sur le marché. On va le dire un instant après, là. Ce travail rémunéré accompli par les femmes hors du foyer, sur le terrain de la mine même, et dans les mica shops, il y avait des shops, comment on dit shops en anglais, Ottawa et ailleurs, on dit. D'accord, ça, il y avait... Donc, quelqu'un a mentionné tantôt que les femmes n'existaient pas avant ce temps-là. Elle existait, mais être dans l'usine, il n'y en avait pas beaucoup. Puis ensuite, il y en avait quelques-unes, par exemple, là. Ici, là, voyez-vous, le chemin des mines, là. Monsieur Rollin, le maire d'autrefois, me racontait que lui, il se souvenait d'avoir vu des femmes puis des hommes empilés dans des charrettes qui s'en allaient en chantant à la mine le matin, là. Ça devait être nouveau dans ce temps-là. À un moment donné, il y avait autant de femmes qui travaillaient pour Blackburn que d'hommes. Alors, c'était plus considérable. Voyez-vous, est-ce qu'il y avait le même salaire, les femmes, ou les femmes étaient moins payées? Ça. Voyez-vous, le cristal de mica, la feuille de mica, là, hein, ça peut pas... Donc, il faut que ça soit d'abord nettoyé. Voyez-vous, habituellement, c'est quelques centimètres
à peine d'épaisseur, hein? Oui. Ça doit être nettoyé, puis avec une lame très mince, effeuillée, taillée, classifiée. D'accord. Ils classifiaient ça, puis ça, c'est un travail pour les femmes. Voyez-vous? Elles faisaient ça. Les femmes étaient... Une ouvrière, voici une ouvrière, oui, en une journée de 9 heures, pouvait produire 2 kilos de mica transformé. Et puis, ce qui lui rapportait 75 cents. Ah, ça l'aidait. Un salaire très convenable avant la guerre de 14. Ça faisait un petit peu d'argent pour la famille, quand même. Les résidents actuels de Perkins se souviennent du travail en famille. Une femme qui me dit, on avait installé un établi dans un coin de la cuisine. Tiens. C'est là qu'on travaillait le mica. Ça rapportait bien, t'as dit. Cela se passait avant et pendant la guerre de 1939. Eh bien. Puis ça, t'es pas nombreux, ces gens-là. Là. Il y en avait quelques-unes, ou il y avait beaucoup de familles qui faisaient ça, ou c'était juste deux, trois familles? Non, il y en avait beaucoup, beaucoup. Ah oui, il y avait, comme on dit, s'il y avait autant d'hommes que de femmes qui travaillaient dans c'est les vrai, villes, c'était un bon nombre, ça. Puis là, ils travaillaient parce qu'ils étaient plus minutieux, les femmes, il y avait peut-être une adresse, en tout cas. Non, c'est vraiment, oui. Alors, disons maintenant qu'une façon générale, les mines ont cessé, les mines de mica ont cessé à partir de 1910, ça diminuait, c'est diminuait. La mine Blackburn, là, la principale mine, a fermé en 1942. Ouais. À ce moment-là, je me souviens très bien de cette date parce que nous, les Oblats, nous avons acheté le pouvoir électrique. La mine de Blackburn avait établi sur le barrage à côté de Katimavik, là. Le barrage, là. Oui, c'est un des rares barrages qui n'a pas détruit. Autrefois, il y avait un barrage électrique, là. Il y avait une turbine, là. Alors, ça avait été établi par les frères Blackburn. Pas par le père, par le frère. Okay. En 1910. Hein? Donc, alors, en 1942, ils ont fermé la mine. Ils ont dit, est-ce que vous voulez avoir le pouvoir électrique? On l'a acheté, c'était dans le contrat d'ailleurs quand on a vendu au début. D'accord. Alors, ils nous ont... Donc, je sais que c'est en 1942, la mine a cessé. Mais Blackburn, la compagnie Blackburn a continué, puis je pense, savez-vous, elle continue encore aujourd'hui. C'est une compagnie, ça, qui a été établie, puis qui continue. Elle ne s'est jamais fermée au complet. Oh oui, non, la mine est fermée, il n'y a plus rien là. Non, mais je veux dire pour le mica, mais Blackburn continue. Oui, continue à acheter le mica, et à le revendre, et ainsi de suite. C'est un commerce du mica. Alors là, je ne sais plus où ils en sont maintenant, là, mais jusqu'à... Mais comment ça se fait qu'on entend parler de mica encore, puis vous dites qu'il n'y a plus de mine? On en a encore parlé pourtant. Oui, mais il y a des mines ailleurs. Ah, dira la police. OK. Donc, tous ceux-là, là, de Templeton, Portland, il y avait quand même du mica. Alors, voyez-vous, on va passer très vite pour Portland. Juste pour rafraîchir la mémoire. Il y en a ici, là, quelques mines de mica. Vous voyez, c'est très peu. Hein. Okay. Ici, il y a des chemins qui nous indiquent, là, mais on n'a pas le temps d'insister là-dessus. D'accord. Dans Wakefield, c'est à la même chose. Okay. Vous avez quelques mines, voyez-vous. Mais ce qui est intéressant, c'est la mine ici, là, du lac Gérard, parce que c'est une mine où je suis allé là. Oui. Et puis alors on m'a donné des spécimens que nous pourrons voir tantôt. D'accord. Alors donc ça continue ici. Et là ce sont les chemins, hein? Voyez-vous les chemins. Alors. Est-ce qu'il y a des gens en ce moment qui ont des maisons sont installées, puis ils ne savent pas qu'ils ont une mine chez eux? Pas toujours. Pas toujours. Non. C'est pour ça que peut-être votre grand-père vous a laissé une mine, puis ben vous ne savez pas. C'est ça là, que je me pose la question. On continue à voir la carte, puis je commence à comprendre de plus en plus. J'espère que tous les spectateurs et téléspectateurs saisissent. On a vu phosphate, mica. Maintenant, feldspath, c'est ce qui est vert. Et si vous remarquez, il y en a ici quelques-uns. Là, dans cette région-là, on n'en voit pas du tout. Oh mon Dieu, un, deux, trois petites mines ou grosses. Mais c'est surtout dans une région. Le feldspath, c'est une roche si rare que ça, parce qu'il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup? Non, le feldspath n'est pas rare. Il est, avec le mica et puis le quartz, c'est la plus grande partie de l'écorce terrestre. Seulement, ce n'est pas partout qu'on en trouve, en abondance, et puis en qualité telle qu'on puisse l'exploiter. Vous comprenez? On va aller voir sur les cartes, là. Donc, dans les différents cantons, rapidement. Oui, allez-y, je vous suis, là. Là où c'est la première fois, par exemple, là, vous dites quartz. Est-ce qu'il y en avait aussi dans cette région? Oui, le quartz était souvent mêlé avec le feldspath.
C'est un petit problème. Ah, okay. Alors ici, on va rapidement, vous connaissez donc Templeton, vous connaissez Templeton, mais vous voyez quand même qu'il n'y a rien que 5 mines de feldspath. Okay. C'était des carrières, donc à ciel ouvert, ou dans les flancs de montagne. Mais les gens, ils se trompaient, là, ils appelaient même ça du phosphate. Non, ils appelaient ça du spar. Ah, okay. Feldspath de l'anglais. Ici, vous avez le nom des mines. Okay. Alors, vous épargne les noms, là, donc vous voyez que c'est pas très important. Mais apparemment, pendant 50 ans, il y a eu des centaines et des centaines de personnes employées dans ces mines-là. D'accord. Ici, dans Portland, ben, c'est là qu'il y en a le plus. Vous voyez, quand même, oui. Il y en a plusieurs ici, là. Non, je connais la rivière. Feldspath, là, okay. Oui, donc. Oui. Donc. Mais puis ici, vous avez les noms de ces mines. Alors, je vous épargne ces noms-là. Il suffit de savoir qu'il y en avait plus dans Portland que dans Templeton ou dans Wakefield. Mm-hmm. Wakefield, il y en avait trois. Okay. Il y a ici une mine qui est tout près, ici, du lac Saint-Pierre. Oui, Lachine, oui. McLachlan. Ah, mais c'est toute la famille Lachine qui a exploité cette mine-là. Okay. M. Lachine nous a conduit jusqu'au bord de la mine, ici, on a vu où c'était. C'est-tu le feldspath qui était le plus rentable? Non, ou la pierre? Non, le feldspath, tant que ça a duré, c'était le plus précieux. Ah. Et ensuite, c'était le mica, et ensuite, c'était la roche. Donc, c'est une roche vraiment assez abondante qu'on appelle le feldspath. OK. Mais là, vous parlez de richesse. Si moi, j'avais eu le choix dans ce temps-là, j'aurais préféré avoir du feldspath parce que ça servait à... Est-ce que dans feldspath, parce que j'avais entendu le mot dans dental, le spar, je ne sais pas trop là, dans ces mots. Non. Si le spar ici, là, le feldspath, oui. Rapportait assez bien à cause de l'usage que l'on en faisait. Okay. C'est là qu'arrive le moment. Pourquoi les mines de feldspath? Ben, c'est que le feldspath moulu entre dans la fabrication de la porcelaine, par exemple, de toutes les poteries, et quelque chose de tout à fait unique, ça sert pour la fabrication des dentiers, des dents artificielles. C'est ça dans les papiers, on voyait dental. Les gens parlent de dental spar. Ah. Mais c'est pas toujours du spar blanc. Mais moulu, la poudre est blanche. Ah oui? Alors, mais paraît-il qu'il n'y a rien comme le feldspath pour imiter la brillance des dents naturelles. C'est particulier. Tout ce voyage-là de cet été, d'aller voir toutes ces roches-là, est-ce qu'on va voir finalement, est-ce qu'il y en a encore de ça, là, du dental spar? Est-ce que vous avez dans vos spécimens? Oui, j'en ai ici dans les spécimens, on peut examiner ça maintenant. Dans les dents, ah ben, c'est drôle ça, j'avais vu ça le mot tantôt, dental spar. Alors, si vous voulez, nous allons commencer par le feldspath. On vient d'en parler, hein? Oui. Le toit. Oui. Bien, voici des morceaux de feldspath. Ça, vous voyez cette pierre-là, là, hein? Ça, c'est du feldspath. Okay. Ça également aussi, mais voyez que la teinte est différente, hein? Mm-hmm. Ça, c'est de quel lac, là, où c'est écrit, celui-ci, là? Celui-ci, c'est lac Bataille. La Bataille. Regardez le beau feldspath que c'est ça, voyez-vous, comme c'est brillant, là, puis c'est du nid, là. Alors, vous avez donc, ça, c'est de... c'est du feldspath, ça c'est du feldspath. Mais quand vous parlez de je reviens encore aux dents, c'est tout ça qui broyait? Oui, ça venait du coin de... du lac Bataille. OK. Bon, c'est du feldspath? Ça ici. Ah, ça, J'ai dit tantôt qu'il y avait parfois du quartz mêlé, mais ça c'est du quartz. Ah. Voyez-vous là, comme ça, là, si vous regardez de même, là, vous allez voir le blanc plutôt, le brillant. Oui. Ça c'est du quartz. Voyez-vous? Si nous venons de ce côté-ci, il y a ici le blanc, là, ici, là, pas ça, mais le blanc, ici, ça, c'est du feldspath. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau. Oui, ces morceaux-là, ici, à l'intérieur. Alors, vous avez ici du feldspath un peu plus rouge. Pardon. Rouge, voyez-vous, comme c'est rouge? Il y a du phosphate mêlé à ça. Alors, il y a le feldspath ici aussi. Donc, regardez ici, là, un beau morceau comme ça, très, très, très rose, hein, très brillant. Ça, c'est du feldspath, c'est très beau. Ça, c'est Girard ou c'est, Bataille, celui-là? Ça, oui, c'est... OK. Girard est ici, oui. OK, dans ce coin-ci.
Ah, bon. Vous avez tout identifié les lacs ou les places. Alors. Hart. Hart, oui. Okay. Hart, ça c'est une mine de feldspath, vous. Oui, oui. Ça ici, c'est beau rouge ici. Oui, 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 oui. Maintenant, parlons du mica. Voyez-vous? Mm. Alors le mica, lui, il s'agrippe. Il s'agrippe aux autres roches. Voyez-vous? Regardez-moi ça ici, une excroissance de mica ici, là. Mm. Et vous avez un beau morceau de mica là, hein? Regardez ça là. C'est beau ça. Mais ce que j'ai trouvé le plus beau pour le mica, c'est dans la mine du lac Gérard. Regardez ça comme cristal. Hein? C'est très rare. On appelle ça un cahier. Vous en avez un ici, vous en avez un là. Hein? Mm. J'ai marqué quelques indications. Ça, c'est... Oh, ça brille, là. Oui, mm. Oui, oui, il y a du, feldspath là-dedans. Hein? Mais ça, c'est attire l'attention sur ces... C'est mica ici, là. Mm. Il y a du mica un peu partout, en fait. Mais le mica pur, vous l'avez ici, là, voyez-vous? Ça, c'est des morceaux de mica, ça. Donc, ça vient de Bataille, voyez-vous, là. C'est le plus en avant ici, il vient du Blackburn mica. Oui, Blackburn mica. C'est du mica. Est-ce que les gens pouvaient se tromper, dire, oh, j'ai trouvé de l'or, j'ai trouvé quelque chose? Regardez, ça, c'est rien que du mica, ça. Voyez-vous? Ça, mais les gens peuvent se tromper en se disant que c'est quelque chose qui a plus de valeur que de l'or ou ils ont dû penser que... Oui, ça c'est du mica. Ça a l'air, on dirait qu'il y a des morceaux ça, c'est de... Ça c'est du mica. Hmm. Ça c'est du mica, ça ici, là. Puis tous ces morceaux-là aussi. Ça c'est tous des morceaux de mica, ça. Bon. Donc maintenant, on peut aller au phosphate du début, là. La pierre verte, là, hein. Bien, on a trouvé un morceau de pierre verte, nous autres. Oui, oui. On était chanceux de trouver ça, voyez-vous. Parce que habituellement on trouve toujours des morceaux de comme ça, voyez-vous, le vert ici, ça c'est du phosphate avec du mica. Hein? Ah. Un peu partout comme ça, vous allez trouver de... Ah, ici il y en a un beau aussi, encore un autre vert. Oui, justement, un morceau de vert ici, là. Mais comment est-ce qu'il faisait pour tout séparer ça? C'est à moulu, c'est à moulu. Oh mon Dieu! Oui. ici, vous avez du vert, là, c'en est ça. Dans la fameuse... mine High Rock, hein, il y avait beaucoup de morceaux de phosphate là, mêlés à d'autres choses, hein, là-bas, là, comme ça, là. Et ça ici, ce sont des carottes qu'on appelait. On faisait donc, on allait chercher des spécimens, on faisait, pour voir s'il y avait du mica, s'il y avait du phosphate, il y avait quoi. Alors on a pu trouver ça sur la mine même. Il y a des petits morceaux de phosphate, ainsi de suite, tu vois. Alors, il faudrait examiner chaque pierre pour trouver. Ici, vous avez du calcite rose, comme on dit, avec du mica, puis avec du phosphate. C'est une roche très, très intéressante à étudier, celle-là. Oui. Mais de nos jours, ça, OK, dans la région, non, ça ne marche plus. OK. Mais celui qui trouve des roches semblables, il me semble que ça se vend, dans des musées même, des fois. Ah, c'est oui. tellement les roches sont belles. Oui, oui. Les couleurs, puis oh, regardez, vous voyez ici, par exemple, des petites feuilles de mica. Hein? Voyez-vous comment c'est mince? Ah, mon Dieu. Pourtant, c'est très résistant parce que c'est élastique. Hein? C'est élastique, voyez-vous. Que... C'est ça que vous avez dit que ça ne brûle pas. Hein? Non, c'est non, ça ne brûle pas. Ah. Non, non. Et vous vous donnez un coup avec une masse, ça ne bronche pas. Seigneur. Bon, je peux-tu vous poser une petite question, celle-ci, là, je trouve ça drôle, là. Ça, je ne sais pas quelle sorte de roche que c'est. Faut, je devrais faire identifier ça par les vieux. Les formes sont spéciales. Oui, ouais, c'est bien spécial. Il y a beaucoup de minéraux là-dedans que j'ignore, hein. Ah, donc, j'ignore le nom. High Rock, Lac Bataille, Lorrain. Dans toutes les régions, vous avez... Ah, OK, ça va être durant vos vacances. Enfin, vacances. Durant l'été, vous avez fait cette roche-là. Vous êtes ramené, on se l'a. Vous pouvez terminer par cette roche ici. Ceci, ça pèse une tonne. Voyez-vous? Ça, c'est tout du mica. Ah, mon Dieu, hein? Oui. Voyez-vous? Et puis, la roche sur laquelle c'est pris, je ne sais, mais il y a un peu de phosphate, mais il y a autre chose, là. Mais regardez-moi ça, c'est très lourd, ça, c'est très lourd. Oh. Ouais. Vous avez décrit tantôt, puis vous parliez de couleur, vous parliez de brillance. Je vous pose une question quand même. On dirait que c'est une passion pour vous. Qu'est-ce que c'est qui se passe en dedans de vous? Vous parlez des roches, puis ça semble vous exciter. Ça semble... disons que quelqu'un qui étudie la nature, hein? Moi, ma passion, c'était les insectes. Vous? J'ai une collection d'insectes. Oui. Mais ensuite, bien, j'ai étudié les fleurs. Vous? Bon, les fleurs. J'ai étudié la flore microscopique de l'eau.
C'est donc tous des éléments de la nature. Pour faire la synthèse, il vous faut un fondement de roche. Tout commence par les roches. Tout l'humus dont nous avons une bénéficiation aujourd'hui, c'est tout, ça vient tout des roches, hein, tous les minéraux. Donc, alors, il y a beaucoup de choses qui viennent des roches. Vous savez que les éléments chimiques se constituent en des unités qu'on appelle des minéraux. Le minéral est fait essentiellement de cristaux. Okay. Oh, donc, dans ceci, il y a les cristaux du mica, mais les cristaux de cette roche-là aussi, là. Donc, on part des éléments pour aller aux minéraux, des minéraux aux roches. Toute roche est un ensemble de minéraux. Alors, vous avez ici toutes sortes de combinaisons de cristaux qui font des roches. Alors, c'est passionnant, c'est vraiment très, très intéressant. C'est merveilleux. Si vous commencez maintenant à étudier les cristaux, chaque minéral a sa façon d'arranger les atomes, les protons, puis les électrons. Mais c'est parce que dans les autres recherches... Ça a l'air bien savant, hein? Mais ça va beaucoup, pas beaucoup plus loin que ça. Mais vous avez l'air dans vos recherches aussi, vous n'avez jamais dénigré, vous ne semblez pas critiquer, vous ne semblez pas dire ça, c'est pas bon, ça c'est mieux. On dirait que vous avez chacun des valeurs. Vous avez chacun la qualité, on dirait. Il y a un monsieur White qui a écrit un travail sur la région du lac Bataille, où il fait la synthèse de toutes ces choses-là. C'est très intéressant. D'accord. Mais ça forme un tout, c'est ça que je trouve extraordinaire. Les animaux, les roches, tout ça. Pour avoir cette synthèse, on veut former une synthèse à la fin pour comprendre le monde dans lequel on vit. Avec le bon Dieu, la nature, là, son chemin. Là. C'est un sujet de contemplation continuelle aussi, franchement. Une petite dernière question farfelue, c'est quoi votre roche préférée? Y en a-t-il une que vous pouvez dire, c'est celle-là que vous aimez ou c'est ce genre-là? J'ai une affection un peu particulière pour le phosphate, parce que j'en ai pas beaucoup de pur comme ça. Mais aussi le feldspat, là, il y a des belles pierres de feldspat. Celle-là. Ensuite, pour le mica, il y a des choses extraordinaires dans le mica aussi. Hein. Donc, chaque roche a ses qualités, puis se fait aimer pour autant. Ça fait réellement intéressant. Okay. C'est très, très bien. Mon Dieu. Merci.